21st century, having bled Earth dry, mankind was on the verge of collapse. Then a startling discovery was made. Beneath the sands of the earliest known human civilization, traces of another, even more ancient, but technologically advanced civilization are uncovered. The profound scientific implications of this discovery would lead humankind to the far reaches of the universe. Everything seemed perfect, but perfect never lasts. Without warning, the Earth was attacked by a chaotic horde of marauding aliens. Within 3 years, humankind was staring into the face of its own annihilation. In desperation, the world leaders turned to their last chance, an ancient artifact called the Time Lock. They believed this relic from a long-forgotten race was a portal to a point in ancient history and their only chance for survival. If only they knew how to turn it on. Switch to surface scanning. Surface scanning on. Activity nominal. What? No hospitality today? We have contact. 2 o'clock. Closing in. Sit tight. We got company. Jesus Christ! I can't believe I'm out in the shit on my birthday. I'm supposed to be doing blow off a stripper's ass right now. Man, I hope you got me a good present, Stone. All right, Alpha. Listen up. Bravo team was protecting a scientist in one of the old museums in Cairo, but HQ lost contact around 0900 hours. Mensa wants to fry the Earth, and we're protecting a museum? This guy thinks he can figure out how to power up the Time Lock. Bullshit. Research don't kill aliens. Big guns do. Whatever. Time machine or no, Bravo's out there alone. We get in there, we recon Bravo, we go home. If everything goes tits up, the professor is our top priority. Are we clear? Clear as gnar shit. Rodriguez? Warning! Warning! We've got incoming. Take evasive action. Et salut tout le monde, c'est Mighty Joe. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de deux petits rigolos, petit poney. Bonjour. Et de Vinco pour les habitués. Yeah. Et on se retrouve aujourd'hui pour la partie 1 de cette aventure sur Serious Sam 3 BFE. Donc je vous avais jamais, vous avez pas prévenu que j'allais faire une vidéo dessus, donc c'est fait un peu à l'arrache on va dire, mais bon. J'espère que ça va vous plaire, c'est un style de FPS différent de d'habitude qui est surtout l'FPS linéaire. Ça cette fois c'est du bien bourré comme vous aimez les filles. Sur ce, je vous laisse profiter de cette petite intro assez originale. Allez. Bon, t'es où? Vous êtes où les gars? Parce que là je vous ai perdu, je suis dans le bâtiment, je vais descendre tout en bas. Bah là on est descendu. Ouais, au fait les gars, n'hésitez pas à parler super fort hein, parce que oui, je vous préviens d'affilée, on a un petit problème avec Vinco qui peut pas mettre son casque sur les oreilles carrées, une otite. Donc c'est pour ça qu'on parle très fort pour un peu masquer le bruit du son de Vinco, et en même temps on a des interférences à cause
de Steam parce que Petit Poney n'a pas Skype, mais bon, il doit malheureusement le réinstaller. Ouais, c'est les joueurs de la connexion free totalement pourrie. Ouais, vous inquiétez pas, on a tous connu ça. Donc pour ceux qui veulent savoir, bon, les Serious Sam, ce sont la série des Serious Sam et bien sûr la série des pionniers du FPS, c'est-à-dire c'est presque eux qui ont débuté presque en même temps que Doom, Duke Nukem et tout le bordel. Donc BFE se passe avant le premier du nom qui est sorti en 2000, c'est-à-dire The First Encounter, hein, voilà. Ça se passe bien avant ces événements et en fait on fait une rétrospective si vous voulez. Et le 4 qui va bientôt sortir en 2014. Je sais pas si vous étiez au courant les gars. Pas du tout. Le 4 qui se passe normalement à Paris devrait sortir dans pas longtemps. Donc c'était juste pour vous dire que ça sera un let's play walk, en fait une sorte de playthrough. Car le jeu, oui, je l'ai déjà terminé au moins 3 fois. Parce que le jeu est très court, mais par contre les missions sont très longues. Les missions durent au moins 50 minutes maximum. Donc les gars, faites gaffe. Faites gaffe hein. 50 minutes ça dépend. Ouais ça dépend en fait. Parce que le jeu en plus il a plein de secrets de raccourcis, c'est-à-dire que vous pouvez pas sauter un paquet d'étapes. Ouais, enfin ce jeu là je trouve c'est plus une détente qu'un vrai FPS quoi. Ça c'est vraiment le truc à défouloir. Tu te défoules dessus quoi. Par contre là je crois que je me suis perdu. faut passer par le bâtiment en fait. Regardez dans le ciel, il y a un gros vaisseau extraterrestre, je suis juste en bas. Ok. Donc les graphismes sont en moyen, donc j'espère que ça va le faire. Hein. Bah attendez, je vous attends les pélos. Vous êtes là ou pas? Voilà c'est bon, alors là je vois Vinco. Vinco est avec moi, toi il faut que tu sortes du bâtiment en fait. Ouais faut que je retrouve la sortie parce que bon. Ou au pire tu passes par les fenêtres, tu t'en fous, de toute façon tous les moyens sont bons pour y aller. Bah moi j'ai déjà des ennemis. Donc juste pour vous informer, les armes du jeu sont carrément déjantées. Putain j'ai un bug. Ah voilà. Hop là. Donc ici, quand j'appuie sur souris droite, je peux avoir des infos sur les ennemis. Oh là, j'ai eu un morceau de bug. Je pouvais plus quitter ma mêlée. Voilà. Je suis en train de chercher une solution. Attends, je vais venir te chercher. T'es toujours dans le bâtiment ? Désolé. Non, là je suis sorti, je suis dans une genre de cour, c'est un peu... Ah c'est bon, suis-moi, t'es là, c'est bon, on est là. Donc je voulais vous dire qu'en fait, on va raconter vite fait l'histoire, parce que la cinématique, bien sûr, vous l'avez pas vu au début, mais je la mettrai sur YouTube. Comme vous avez pu voir dans la cinématique, en fait, en Égypte, les scientifiques, ils ont découvert un vaisseau extraterrestre, et en fait, ce vaisseau, il a envoyé un appel à l'autre bout de la galaxie. En fait, il y a des extraterrestres qui sont venus nous envahir. C'est à peu près le même principe que Halo, sauf que là, les extraterrestres, en fait, c'est des races extraterrestres différentes. C'est pas une même race, en fait. Okay. Voilà, première arme du jeu. Hop là. Ah ouais, le pistolet. Bah, on a les munitions infinies, c'est ça qui est cool. Donc il y a des armes, on peut les avoir avant d'autres armes, ça dépend, le jeu c'est un peu vous qui gérez la façon de le découvrir, c'est ça qui est bien. Moi ouais, c'est vraiment du défouloir pur et dur. Hein. Y a pas à dire. Mais bon. C'est tellement rare les jeux comme ça. Ouais. Bon allez. N'hésitez pas à prendre des PV hein, parce qu'on va en avoir besoin avec ce qui va arriver. Hein. Donc le jeu est en normal, donc c'est normal que les ennemis on les bute, mais j'ai terminé la campagne en serious. Et je peux vous dire c'est juste affreux. Vous crevez toutes les secondes et le pire c'est que vous n'avez pas toutes vos vies avec vous.
Parce que là en fait on a plusieurs modes, on a les modes où on a 3 vies par niveau, ou même on a 3 vies pour le jeu en entier. Ah ouais, c'est sûr, c'est un peu plus galère ça. Ouais. Donc là vous pouvez voir, on a plein de petits secrets, ouais, on a même des easter eggs. Ah bah ça arrive, les kamikazes ils arrivent. Ah merde putain, je suis en train de louper l'arrivée des kamikazes. Ah, j'arrive à vous aider. Ah, respawn. T'es victime d'un kamikaze. Ah bah c'est moi qui t'ai tué. Ouais c'est bon. Bon, je pense que ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui vont regarder la vidéo auront compris que faut pas les rusher au corps à corps. C'est pas une bonne idée. Donc là on se passe des quelques, normalement 4 ans après l'invasion extraterrestre. Hein. Donc c'est pour ça que là on est au Caire et que les et qu'il n'y a plus personne à part nous bien sûr. Et les humains militaires qu'on a vus au début. Bon allez. Voilà. Donc là j'ai pris quelques munitions. Hein. Allez c'est parti les gens. Donc faut éviter que je fouille trop parce que sinon on voyait pas trop de gameplay. Donc là on doit juste aller chercher d'un scientifique qui apparemment sait où se trouve les portes du temps pour pouvoir remonter le temps. Hein. Voilà. Un classique. Hein. Parce qu'on essaie de remonter le temps avant la catastrophe et tuer le méchant. Donc juste pour vous dire que ce jeu change beaucoup par rapport à Serious Sam 2. Est-ce que vous avez connu Serious Sam 2 les gens ou pas? Hein? Vous avez connu Serious Sam 2 2005? Pas du tout, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est un peu dur à expliquer, mais le 2, c'est la fin de la série. Alors que le 3, là, qui vient de sortir en 2011, c'est une rétrospective. Le 2 ouais, C'est un peu bizarre comment ils ont fait leur truc. Ouais. Bah, si vous voulez, vous avez Serious Sam, The First Encounter, sorti en 2000, qui est le début. Ensuite, vous avez The Second Encounter, qui est la suite. Et ensuite vous avez Serious Sam 2 qui est sorti, qui est encore la suite. Et le 3 en fait c'est une version du 1 mais un peu améliorée. Mais en fait ils l'ont appelé le 3 parce que quand même ça on en apprend un peu mieux que pendant le 1. Vas-y pour... oh j'ai du sang partout sur mon arme les gens. Aïe. Bon vite, vous êtes tous les gens, je vous vois pas. Voilà, j'ai déchiffré les hiéroglyphes. Vas-y, chez moi. Bon là on est dans la cour du musée. Bah franchement nous je te dis, ce jeu là j'y ai beaucoup joué en ligne, c'est vraiment sympa avec des gens mais j'ai pas vraiment fait l'histoire quoi. J'ai plus fait... Les deathmatch Ouais du deathmatch. Donc pour ceux qui savent pas en fait les camis, bon, je vous explique vite fait, bah je vous montre pas l'histoire des monstres, mais là les squelettes que vous voyez en fait c'est des clears, c'est une race extraterrestre qui a été anéantie par Mental et qui a été ressuscité sous forme de squelette. C'est un peu devenu ces susbites. Passez pas les cinématiques les gars. Ok. Voilà. Et donc les kamikazes qu'on affrontait en fait ce sont des guerriers syriens mutilés qu'on a convertis en soldats robotiques parce qu'on les a décapités et on a remplacé par des trucs cybernétiques assez chelous. De toute façon ce jeu là il a un peu ni queue ni tête. Hein. Alors, en plus Sam Stone le héros c'est un peu bizarre comme il s'habille, t'as vu les autres militaires sont habillés en militaire et lui il est habillé en cosplay. Oh, le mec, ouais, le mec du bloqué, moi. Ah, que la lumière soit. Allez, c'est parti. J'aime pas cet endroit. Moi cet endroit je l'aime pas parce qu'en fait ce qu'on va affronter c'est fourbe.
Pour te dire à quel point j'ai pas fait l'aventure, je savais même pas qu'il y avait des textes égyptiens à déchiffrer dans le jeu. Bah c'est bien comme ça, au moins vous découvrez en même temps que moi. Vas-y, pétez les œufs d'araignée. Donc ça, ces araignées, ce sont les arachnoïdes Antares qui arrivent de la constellation d'Antares. Par exemple, pour ceux qui connaissent, vous connaissez les BD Léo, Beltegueus, Aldébaran, etc. Pour ceux qui lisent. Hein. Ah non, ça c'était le téléphone, je crois, non? Le bruit qu'on a entendu, je crois que c'était le téléphone. Et ben voilà, donc ces araignées, c'est des araignées extraterrestres qui viennent d'une autre galaxie. Hein. Suivez-moi. Ouais, c'est pas... Moi, je traduis tous les hiéroglyphes car ça fait un succès à la fin. Hop là, voilà. Ouais, je veux bien les traduire aussi. Oula, il y a les grosses. Bon, là, les grosses, c'est les versions plus grosses, hein, tout court. C'est marrant de leur faire du corps à corps parce que... Hop là, bah, comme ça, je les écrase par terre. C'est marrant de leur faire du corps à corps parce qu'en fait, tu leur arraches leur cervelle, en fait, du coup, ils crèvent. Bah, moi, c'est ça, je t'ai dit. J'ai joué un peu à la campagne en multi. Les seuls succès que j'ai, c'est genre arracher 10 cervelles d'araignées, éclater 10 têtes des genres de trucs squelettes. Fin... Ouais. Bah ça, je l'ai fait aussi. Regardez au plafond, il y en a normalement. Là, il y en a une, elle m'a craché à la gueule. Elle m'a fait une éjaculation à la figure. Mais moi, je vous le dis, hein, moi, je fais des éjacs spatiales. Hein. Donc désolé pour le bruit de foin, il sera bien sûr enlevé ou la merde kamikaze, il sera enlevé la prochaine fois, on va en tout cas on va essayer. Parce que je crois que ça vient, c'est ça le problème avec Sim, c'est l'interférence des micros. Donc c'est pour ça que je pense que Petit Poney il essaiera de réinstaller Skype la prochaine fois. Hein. Ouais. Car le son de Skype il est mieux et... Mais par contre toi tu m'avais dit que c'est à cause de la connexion tu l'avais supprimé. Bon, on fait un petit peu le tour. Fouillez bien. Et... Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, il y avait des trucs cachés. Je vais essayer de vous trouver le fusil à pompe parce que je suis allé voir tous les secrets sur internet avant de commencer la... Comment on appelle ça, l'aventure. Oh là là. Et normalement, il y a... Hop là. Le secret de porte débloqué. Ouais, c'est moi. Et explosez tout ce que vous trouvez parce que des fois il y a des trucs dedans, des munitions ou des interrupteurs. Ah bah l'école. Attendez, je cherche la porte ne pas entrer parce que derrière, comment on appelle ça, il y a... Oula. Il y a le fusil à pompe. Alors oui, on va... Il faut vraiment que je le trouve. Non, moi je m'amuse, j'éclate des armoires. Ouais, bah éclate tout en fait. Faut descendre par contre. Ah, il y a un téléphone, je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être dans le jeu, non? Ouais. Allez, moi, faut en tout cas vite fait que je retrouve la porte où il y a marqué ne pas entrer. Attendez, et je reviens vite, les gars. Je retourne en arrière. Faut vraiment que je la trouve, cette porte.
Oh non, au pire c'est pas grave les gars, on l'aura après le fusil à pompe. Bah allez, je me grouille. Allez. Vous êtes au sous-sol? Non, je suis encore à l'étage. Ouais bah suis-moi. Voilà. Putain, ça me perturbe ce bruit de téléphone derrière les portes métalliques. Ah, où es-tu? T'es descendu tout en bas? Bah ouais. Tu me vois ou tu m'as suivi ou pas? Non, faut pas descendre en bas, t'es pas redescendu en bas quand même. Putain, je te vois pas. Ouais, on se perd facilement dans le jeu. Retourne là où on était, tu sais, dans les casiers. Ouais, je vais essayer, mais c'est pas gagné. Parce que là, je suppose que t'es tombé en bas. Ouais. Oh là là, vas-y. Bon bah, tu fais tout le chemin en arrière et je t'attends ici. Vinko, essaye de nous attendre un peu, s'il te plaît. Ah voilà, c'est là, bah attends, voilà, on t'attend. On spawn trop vite dans le jeu, franchement, c'est un peu trop grand, je trouve. Putain, il va falloir que tu remontes tout, ça saoule. Bah attends, on arrive à ta rencontre, hein, de toute façon, tu te rappelles du chemin. Bon bah nous on est à l'étage, on t'attend. Heureusement qu'on a munitions infinies hein. Ouais, et y a un truc qui m'a tiré dessus. C'est bon, je suis là. Ok, bah suis nous. Ouais, c'est... j'ai pas la verrue, il y a bien un téléphone qui sonne. Ouais, mais c'est le script, c'est justement ça qu'on va aller chercher. Tu nous as trouvé ou pas? T'es où? Ah bah je suis là, tiens, viens. Je suis là. Allez, viens au sous-sol. Il y a les araignées ou pas? Non. Ah bah voilà, YOLO. Super. YOLO. Allez, on pète tous les nids d'araignées. N'oublie pas d'éclater les caisses. Hein. Ouais. Je suis un peu retourné en arrière pour voir s'il n'y avait pas des trucs qui traînaient. Allez. Ouais, j'ai déchiffré un hiéroglyphe. À l'étage, en haut. Mais regarde, au plafond, il y en a, ils sont scotchés des fois, les araignées. Ah merde, y'a un gnar. Wow. Allez hop là, t'as plus d'œil. J'ai son œil dans ma main. Ah
Ah, c'est dégueulasse. Ouais, ça gicle de partout. Oh là là. J'ai aimé ça que ça gicle, hein. Pas pour toi. Oula. Ah ouais, t'as trouvé un passage secret. Hein? J'ai le fusil d'assaut. Ah voilà, c'est bon. Ah, moi j'ai le canon laser. Ah, t'es où? Ici. C'est qui avait pété la porte? C'est moi. Bah viens. Bah merde, on reviens ici. Allez au bout de la salle, vous aurez le canon laser. Ah cool, t'as le fusil à pompe. Je voudrais bien savoir où est le truc laser, comme tu dis. Bah, t'es allé au bout de la salle ou pas? Non. Je m'y retrouve pas, en fait, dans ce truc. Bah, attends, suis-moi. Vous êtes... Ouais, suis-moi. Je suis derrière toi. Attends, moi, faut déjà que je retrouve mon chemin. Donc, là où il y a les items, c'est que je suis pas allé. Suis-moi. Attends, t'es où? Voilà. C'est bon. Ouais, tu vas au bout de la salle et il y est. Là, ici. Continue au bout. Ah, ouais. Ouh. Effectivement. Regardez pour les boss, les munitions du laser. Allez, on y va. Ouais. Bon, vous inquiétez pas, ils essaient de prendre un main un peu jeu, car c'est vrai que... bon, pour l'instant, il y a petit poney, on va dire, il a quelques petites difficultés, mais dès qu'on leur manque, vous inquiétez pas, ça va tranquille. J'ai pas le sens de l'orientation, donc ça risque... Parce que là, en fait, j'ai remarqué, on perd un temps fou, en fait, à se retrouver dans le jeu, mais c'est pas grave. En même temps, c'est tellement un bordel de ce jeu. Ah bah non, ça se pétait pas. Faut tourner. Mais moi je t'ai vu, t'étais en train de courir. Hop là. Toi, je suis en train de tous leur arracher la cervelle, c'est trop délire. Les gars, il y a des clones. Ouais, je sais, c'est les extraterrestres, ils ont cloné des humains et ils en ont fait des clones zombies. Ça va, on gère les mecs. Mais ça va, en plus on est en normal. Et oubliez pas les salles adjacentes. Hein. Ouais, t'inquiète. Là, il y a un truc par terre, c'est quoi? Ah, c'est un fil à pompe. Munition. T'inquiète, on n'a pas oublié. On est de retour au musée là.
Vous affrontez quoi là? C'est des gnars ou des zombies? Zombies. Attendez, allez pas tout de suite là, il y a le boss. Attendez-moi avant. C'est bon, allez, on va pouvoir y aller. Bah allez, à 3 on descend tous en même temps. Tu viens? Oh. Allez, on descend tous. Descends. Bon, ça c'est les arachnoïdes. Vite, tourne en rond, il a des mitrailleuses dans les pinces. Visez sa deuxième bouche entre les à la place de sa bite. C'est bon, on l'a eu. C'est pas bien de les brain. Bon allez, la suite, hop là, allez, toi je t'ai arraché la l'œil, bra. Et voilà. Et bah c'est sur ce les amis que nous allons nous quitter. Bon, j'espère que cette première partie vous aura plu. Donc désolé si on a eu quelques petits soucis de record et des bruits de fond, hein, mais bon, ça sera réglé peut-être la prochaine fois. Je dis peut-être parce que en fait c'est à cause de des interférences du micro. Et je vais vous laisser quand même la cinématique du prochain épisode et on s'en laissera là. Voilà. Bon, allez, on va attendre qu'ils finissent de blablater et on se quittera là.